Yo l'équipe, c'est Sang et Jojo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner et à lâcher un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc les gars, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC, donc ça change un petit peu de d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un mode. Donc je vais tout de suite vous l'afficher, donc j'appuie sur la touche U. Regardez ce qu'il y a là-bas. Regardez ce qui vient de spawn les gars. Regardez. Donc pour ceux qui veulent le lien du mode, je vous le mets dans la description, regardez. À votre avis, ça vous rappelle quoi? La bonne petite île de GTA 4, regardez. Avec la statue de la liberté. Regardez-moi cette petite île. Ça rappelle des bons souvenirs de GTA 4, hein. Ça fait du bien de voir GTA 4 sur GTA 5. Voilà, GTA 4 dans GTA 5. C'est pas beau tout ça? C'est pas beau les gars? Franchement. Donc, je vais vous faire, je vais vous faire visiter la... Cette petite île, ce petit mode. Donc là, je vous ai fait une présentation aérienne, on va dire. Donc une petite présentation aérienne en hélicoptère. Donc là, je vais me poser, je vais y aller au sol. Donc je vais vous montrer juste un petit truc, les gars. Donc pour ceux qui téléchargent le mode qui sera dans la description, il y aura des parties donc qui seront pas texturisées. Donc je vais vous montrer lesquelles, regardez. Donc là, cette partie-ci n'est pas texturisée. Donc il y a des parties qui sont texturisées, mais mal texturisées. Donc par exemple... Comme ce petit bâtiment qu'il y a juste ici, regardez. Donc, je vais me poser sur le bâtiment. Voilà, regardez, c'est mal texturisé. Donc, par exemple, cette partie-là aussi. Enfin, c'est des petits détails, hein, c'est pas trop grave, mais voilà, regardez, c'est pas texturisé non plus. Donc, on va, je vais vous montrer aussi un autre truc, c'est la statue de la liberté. Regardez, on peut se poser dessus, donc pour vous montrer que c'est pas texturisé très correctement. Regardez, donc en tout cas le mode il est magnifique, hein, à part les petits bugs de texture, mais sinon il est magnifique. Regardez, je tape dans de rien en fait. Limite je peux même me poser avec l'hélicoptère dessus, bon, on va faire le test. Voilà. Vous pouvez voir que c'est pas très bien texturisé. Donc on va sauter. Ouais, allez, on saute. Est-ce qu'on a un parachute? Il n'y a pas de parachute. Il n'y a pas de parachute. On va mourir. On joue mal accéléré. On se retrouve tout de suite quand je suis de retour sur la map. Donc voilà les gars, c'est bon là. J'ai respawn, j'ai pris un hélicoptère, je me dirige vers la map. Regardez, elle est juste ici. Franchement, elle est vraiment très stylée. J'aime beaucoup ce petit mode. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui veulent le télécharger, c'est dans la description. Donc on va se poser. On va pas faire de gaffe, on va pas mourir. Hop. Là, on descend. Je vais vous faire spawn une voiture pour faire un peu le tour de la map pour que ça aille plus vite. Alors, véhicule. On va prendre celle-ci, un petit véhicule au pif, voilà. Déjà que je te misais en plus, c'est nickel. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce petit mode? Donc là. On va aller voir ce qu'il y a derrière. Donc là ici comme vous pouvez le voir, il y a une arrivée pour les bateaux. Donc c'est bien pensé, l'arrivée pour le bateau. Donc il y a soit le bateau ou un hélicoptère. Enfin vous n'avez pas le choix quoi. Donc là on va remonter ici. On va voir ici derrière, j'ai vu qu'il y avait un truc. Alors accès... Non c'est pas accessible en voiture. Bon, ça n'a pas l'air d'être très intéressant. Il n'y a rien de vraiment très bien. On va aller voir là-bas plus loin. On va aller voir au niveau de la statue de la liberté. Donc ici il y a un style de fast-food. Alors là ici sur le côté de la map, il n'y a rien, il y a des petits bancs pour se promener tranquille et tout. Alors ouais, il y a rien de spécial sur les contours de la map en fait. Donc on va repasser ici et on va y aller voir de plus près. Ici j'ai pas vu ce petit truc. C'est moi que j'ai pas fait attention tout à l'heure. On va essayer de rentrer là-dedans. Oui, parce que j'ai regardé le mode avant de vous faire la vidéo. Ouais. Il n'y a rien de spécial. On va monter. Alors, on monte par où ici? Il faut revenir ici, non? On va faire spawn un hélicoptère et en même temps, je vais vous montrer la statue de la liberté. Donc... Hop là, hélicoptère, Buzard, hop là, nickel, c'est bon.
Là. Eh ben, je vais vous faire la Statue de la Liberté en plus près. Franchement, elle est vraiment très bien faite aussi, la statue. Franchement, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Ça fait quoi ce truc dedans? Ouais, ça fait rien, c'est mal texturisé. Regardez, franchement, tous les détails, les petits détails. Franchement, c'est. Elle est vraiment très jolie. Donc, ici, j'ai essayé tout à l'heure. Je sais pas si c'est texturisé ici tout en haut. J'avais pas été. On va essayer sans vouloir te tuer. Ça craint. Ah, bah voilà. Vous avez la preuve en vidéo, c'est pas texturisé, donc on va pas attendre. Ici, par contre, on peut y aller, donc je vais me poser. Je vais faire le tour avec vous de ce qu'il y a. Donc là, ici en bas, y a rien de très important hein, ici. Là, les escaliers sont. Voilà. Ils sont pas très bien texturisés, comme je vous l'ai dit. Bon, à part ces quelques défauts de texture, le mode il est magnifique, hein, y a rien à dire. Il est vraiment très bien le mode, ça nous rappelle un peu GTA 4, le bon vieux temps. Alors, ici, j'ai essayé tout à l'heure, les portes, elles étaient pas accessibles, donc je vais quand même réessayer. Mais les portes ne sont pas accessibles, si je me rappelle bien, voilà, comme vous pouvez le voir. Les portes, elles sont pas accessibles. La même chose pour, on va quand même essayer, mais il y a 4 portes et je crois que les 4, elles sont pas accessibles. On va vérifier ça. Donc, la troisième non plus, ouais, non, elles sont pas accessibles. En tout cas, ce mode, franchement, il est très stylé, il est vraiment très beau. Donc, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui le veulent, c'est dans la description. Moi, je vais vous laisser donc sur ces images. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et ciao tout le monde!